Distance est notre savoir-faire. Le sport, la musique, la culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kaseka sur les cadres. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM, Sport à la Une. Chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives, locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire. C'est notre affaire. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Sport 91 pour ce maintenant. Et c'est la première édition tout Sport 91 pour mois septembre 2023. On salue tout le monde qui est à bord 411.3. Tout le monde qui a suivi nous sur la page Facebook Radio 1 qui est Radio Détoxique. Et tout le monde qui a suivi nous sur la page Facebook Émission 1 qui est Sport 91. Nous salue PDG Radio 1. Nous saluons toute l'équipe là, nous saluons Mano, et nous saluons Marco Paradis, nous saluons James Bateau, Jackstar, nous saluons Jérôme, c'est un plaisir pour nous là aujourd'hui, pour nous porter pour nous, tout ça qui a fait actualité, tant sur le plan local, national et international. Nous saluons tout, tout le monde qui va jamais pas à bord, émission depuis Jean-Abel Gauthier. Mes principaux titres, nous pourrons développer dans le journal aujourd'hui. À l'échelle locale, n'a pas de championnat interzone hier et finalement été faite côté ces criminels qui vivaient gagner le goal à 0 face à l'équipe d'Oka. À l'échelle nationale, n'a pas de sélection nationale haïtienne senior là. Bon côté monsieur qui pourrait gagner pour entrer dans la bataille, c'est pas le vendredi qui vient face à sélection cubaine dans le cadre Ligue des Nations de la CONCACAF. N'a parlé à l'échelle internationale de championnat européen yo, puisque nous connaissons chaque lundi c'est qu'on s'allie résultat qui est fait dans championnat espagnol, anglais, allemand, italien et français. N'a parlé également de Sergio Ramos lui-même qui fait grand retour dans l'équipe Séville après 18 ans qu'il était quitté club sévillan.
On a parlé de Suarez avec tout Cavani qui est que et Marcelo Bielsa lui-même qui c'est nouveau sélectionneur équipe Uruguayen Paris Leo pour deux prochains matchs pour éliminatoire Coupe du monde qui pourra le faire en Amérique du Nord. Amérique du Nord c'est États-Unis et Mexique et puis et Canada. On a parlé également des US Open, on a parlé tout de Coupe du monde de basketball dans le journal. Cette pointe avec un pilote encore qui va le faire essentiel. Premier numéro Sport 411 pour ce maintenant. Nami Koyo, c'est Patrick Avril. Et puis, Guy Journée Destin, cap touché bouton. Yo, n'a pas de pause, n'a pas tourné. Merci un pile Jean-Roni, nous retourner après pause là pour nous capable commencer avec émission ou du moins pour nous capable développer titre qui était annoncé yo. Nous saluons même qui toujours là bien qui est sur page Facebook là et au même tout qui sur page Facebook émission et sur page Facebook et radio ou même qui sur 91.3. On a commencé avec championnat interzone qui t'a fait dans parc sportif Cap-à-la-Mort qui t'a organisé par Ligue football de Port-de-Paix et consort en dit hier c'était grande finale là côté criminal t'a joué avec Doka un match qui finit un goal à 0 en faveur équipe criminal là avec un goal qui t'a marqué de très tôt depuis dans 4e minute de jeu donc criminal qui vivait remporter première édition et deuxième édition de préférence championnat interzone qui t'a fait dans parc Cap-à-la-Mort côté hier c'était un peu l'ambiance donc un peu le monde fait déplacement il y a eu son match là fini et des gens de qui pas de coup et rentré sous terrain donc c'est à féliciter donc on a félicité et le football Port de Paix président Rocky Bull avec tout sponsor et tout journaliste qui réalisait une grosse compétition dans ville Port de Paix donc dans le passé pas quoi que et jamais gagné un championnat en vacances de grande envergure dans ville Port de Paix comme ça donc chapeau bas avec toute une commission disciplinaire et LFP et toute capable dit et moun qui connaît match tout journaliste tout fanatique yo et tout un business qui t'est rentré dans bataille pour permettre une belle compétition à réaliser dans ville Port de Paix côté hier c'est équipe criminelle les mêmes qui rivait remporté et championnat andi et c'est un match c'est que qui pas vraiment joué dans toute intégralité donc si me dit bon ça c'est parce que équipe criminelle depuis 4 minutes de jeu les fin marqué donc li pas parler nan et a dit li pas parler vle pour al mettre tête li à la découverte donc ouais que après au fin et faire gola il était dans quand il y a tant équipe et Doka Doka qui joue pour 8 ans très bien donc il joue toute première mi-temps et équipe criminelle là qui t'a copié en compte mais et ça pas suffit pour le 4 juin égalisation et malgré en deuxième période des fois ballon sous poteau équipe criminelle tout est capable de corser addition puisque à deux reprises il y a deux joueurs criminels qui rivaient et bien à but avec portier mais il pas arrivé et corser addition pour équipe criminelle là gagne tout joueur en pas d'ordre
et qui était fait un corner qui était frappé dans la bâton diversal. Donc, criminel, de part et d'autre, il est capable de marquer plus de goals comme ça tout. Il est capable de voir l'équipe d'Oka qui retourne dans le score. Donc, c'est comme ça. Et Chabonal lui-même, il finit criminel qui lui veut remporter. Deuxième édition de préférence et championnat interzone dans la ville Port-de-Paix. On dit qu'il y a un peu de bail qui n'est pas fait dans le championnat et qui était mal fait. Et moi, c'est que LFP et Rocky Bull apprennent une note et saison prochaine pour être capable de porter correction avec tout ça qui arrive dans le championnat interzone. Il y a des petits détails, je vais parler de eux, puisque le championnat a fini, mais il arrive dans un Rocky Bull. Et moi, c'est que il est capable de porter correction à eux-mêmes. Et tant que hier, donc hier, il y a un pile et mauvais bagage qui arrive. Et de terrain, donc je vais monter dans le détail, mais je me dis là, Rocky Bull avec tout le staff là, et après un autre, il est capable de doter Villeport de Paix de l'autre bel championnat pour la saison qui pourra venir, pour ne pas dire vacances pour l'année 2024. Là. Donc, Johnny, on continue toujours, nous parlons tant de réactions entre une équipe d'Oka qui se riche 4 avec tout. Entraîneur équipe et criminel lance de Jean-Hervé Saint-Il lui-même qui était dans le micro et média tout côté qui t'a parlé après et match là qui était opposé donc avec équipe criminel là. Donc impression après cadeau ça aujourd'hui. Bon, je pense que je me souhaite là donc dans l'ensemble, en concentration, je me dis, monsieur, vous avez un poison, un cadeau empoisonné. Donc, vous tout te comprendre la réalité pour que vous fêtez avec Kocho. Donc, c'était le cas, donc je dis, effectivement, le bon résultat lui est bon au départ. Mais très tôt, on score dans le match de football là, on a défendu toutes 90 minutes là, et on remporte la compétition là. Est-ce que son calcul? On fait pour l'équipe pour lui-même, il souffrit et il part en ses goals. Donc, c'est la réalité, je t'en dis là, son final, il faut que maîtrise le détail. Donc, si on veut jouer une boubaille ou pas baille, ou après. Donc, c'était le cas, monsieur, je joue une boubaille ou baille. Et c'est ce qui me dit, nous, on a une boubaille pour les bagages qui gagnent, c'est qu'on a assez arrangé, c'est le recoulissé, de façon à ce que vous ne pas prendre. Et l'équipe, ça, où est joué en coup de chemin et qui était remplacé. Et Merlin Nicolas, on met à Pointe au Soli et équipe là. Autant de matchs, autant de victoires. Est-ce qu'on sent un message ou un passé comme entraîneur? Bon, en réalité, je ne vais pas demander plus que ça, puisque je dis assis à lever trophée, je pense que c'est parce que le message est à quelque part, il traverse eux. Donc au contraire, c'est le moment qu'on y a pour féliciter au Dieu merci parce que j'étais entré dans le projet, j'étais entré dans la logique, coach ça, parce que coach ça de philosophie, il t'a dit que histoire de répéter à nouveau, et surtout au monde de Rouen Daniel Gabesouko, passé criminel. Donc je dis, il nous trouve nécessité, je dis, pour qu'on te lever trophée ça. Et un message pour fanatique criminel et puis pour dire tout te faire un appel à vous-même. Bon, message à l'éclair que merci parce que tu vas choisir de même, parce que si la nature, bonne possibilité, m'a toujours là avec eux, c'est ça, mais je pense que c'est le moment tout pour penser à notre entraîneur, puisque bah, on ne sait pas la vie, bon, mais c'est ça la réalité. Et joyeux anniversaire et puis merci beaucoup. Merci, c'est moi-même pour que merci, merci beaucoup. Et voilà, on t'attend et Jean-Hervé Saint-Il lui-même qui c'est entraîneur. Équipe criminelle à présent, nous allons l'attendre et Richard lui-même qui s'est entraîné équipe d'Oka. De très bon match en finale, malheureusement, on peut dire 1-0. Équipe où a fait tout un match à presque abdominé, nous pas jouer égalisation. Impression après deux faits ça. Nous sommes de l'US, nous sommes à l'autre côté. Jusqu'à la fin, rien Josiah, tu as fait un bon travail. Et pour moi, jusqu'à présent, il y a pas deux, c'est triste. Parce que détermination de Bruno Champion, championnat interzone. Mais nous parlons de champion. Depuis environ 4 minutes, l'équipe a donné un goal, tout autant c'est plus fort. Pour nous capables d'égaliser, nous parlons de égaliser et c'est comme ça que ça a fini. L'équipe a été estimée depuis le début de la compétition qui est très solide. Dans un terrain qui très faible aujourd'hui à au milieu terrain, nous estimons Love perdant plus le ballon, il n'est pas équipé les gens. Ça explique ça. Et pour maintenant, c'est chaque jour, il y a besoin.
Ça veut dire si je joue à jouer, chaque jour de la jouer, le développement vraiment gros, nous marchons pour payer dans le cabaye. Vous estimez ces fatigues qui fait ça? Oui, ils sont fatigués quand même. Et vous pensez que nous la coupe et dirigeant équipe là d'espérer et remporter deuxième édition, ça n'a pas arrivé fait. Un message pour vous. Il y a un message pour tous les dirigeants et tous les fanatiques. Donc, on a dit que c'est pas fini, la bataille a continué. Je dis à tout le côté de la nation. D'accord, merci. Et voilà, on a suivi la réaction de tous les entraîneurs. Après le match football, on dit que c'est Jean-Louis Saint-Il qui finit comme plus bon entraîneur dans la deuxième édition du championnat interzone qui a fait dans le parc Capois-la-Mort. Côté il y a un peu de monde qui estime que et c'est Richard, entraîneur d'Oka, lui-même qui méritait prime ça. Entre temps, Ansali et TC, Olivier Banks, les mêmes qui suivent l'émission sous et Facebook depuis États-Unis. Donc, il est toujours venu des États-Unis, hein, puisque c'est diaspora allié. Donc, on continue, on dit, il y a une Schneider, et qui s'est gardé équipe criminelle là lui-même tout et qui t'est parlé dans micro média tout côté en côté Schneider lui-même qui t'a parlé avec Yvenet d'Ouest. Là en réalité objectif là c'était remporter deuxième édition championnat interzone là au fameux championnat impression après victoire ça. Bon, on a salué tout le monde qui est en live là et on a salué tout le monde qui est déplacé, tout, qui veut dire, je ne veux dire, pour venir assister à la grande finale, ça, je ne veux dire, pour te dire, parce que tout ça, nous nous dépensé à. C'est pas ça le vous parce que meilleure équipe là nous fait nécessaire là aujourd'hui à que nous t'ai dit que nous allons prouver que nous sommes meilleure équipe là nous mettez toute équipe nous t'ai souhaité champion d'ailleurs et je me dis à que nous atteignons avec objectif nous que ça nous dit la faire que nous réalisons. Et là un message pour fanatique criminel qui a suivi là et après midi là bon. Plus beau message, bon, nous faisons coacher plaisir, parce que je ne dis assez fait. Nous pensons que d'autres moulins qui ont ce canal, je ne dis assez fait tout, parce que nous avons dit bon anniversaire et nous allons fêter ensemble, nous devons que champagne va les boucher, nous devons que respect une de l'autre et puis nous allons aller comme ça. Merci à tout le côté, merci. Merci pour nous. Voilà, merci un peu, Jérôme, nous avons suivi Impressionnant Schneider, lui-même qui sait. Et gardien équipe criminelle hier qui fait un très bon match pour l'équipe criminelle qui veut mettre que il n'y a pas encaissé but dans la finale. Donc criminelle qui c'est équipe championne pour la deuxième édition championnat interzone. Donc nous pourrons continuer toujours Jean avec là est-ce que bon on a beaucoup de gens, on a beaucoup de pauses et puis on a tourné tout de suite. Merci un peu, Jérôme. On continue toujours avec réaction après match. Il y a un capitaine équipe d'Oka, Axel Robinson également, qui est dans le micro, média tout côté. Donc, on a invité autant de Robinson, les mêmes qui t'a parlé après finale. Avec nous, Captain Love, et jeudi en finale, première défaite dans la compétition, c'est en finale face à l'équipe criminelle là. Impression après défaite ça. Bon, je vais sur la voie de faire ça. C'est plutôt regarder le truc pour défaite nous voir dans plus. Parce que pour ça, nous motiver pour matcher un peu champion. Et nous allons venir présenter Doka, nous allons venir présenter la coupe. Parce que nous allons bien qu'il y a une équipe la coupe en finale. Nous allons venir présenter la coupe, mais dommage, nous n'avons pas réalisé ça nous devrait. Pour réaliser dans le match, et un joueur très solide.
gros équipe type déchet là car on a match là, et est-ce que c'est ton problème concentration qui est lié ou bien son problème physique? Bon, pour le problème là, c'est un problème physique parce que vous ressentez pour le match là, physiquement pas répondre. J'aime pas celui qui a joué le match là, c'est pas comme ça qu'il est venu. Parce que par exemple, vous donnez un but avec ses latérales. Bien joué, mais c'est pas avec moi là pour m'abdouer. Parce que l'objectif ça c'était remporter deuxième édition, hein, ça pas arrivé fait. Un message pour fanatiques, nous la coupe qui était soif ça malheureusement, ça pas arrivé fait. Un message nous capable de pour fanatiques, c'est toujours un peu ferme. Une compétition ratée, n'a pas de travail pour nous remporter notre compétition. Parce que nous avons battu pour la deuxième édition, mais nous n'avons pas arrivé à réaliser. Mais la troisième édition, nous avons mis bon pour nous remporter. Merci à tous les compétences. Merci à tous les Voilà, c'était différentes réactions après match hier entre Criminal avec Doka. Et j'aime dire en pile dans l'émission Criminal qui arrivait remporter la deuxième édition. Championnat interzone n'a pas cap à la mort. Une fois encore, nous féliciter Ligue Football Port de Paix. Il y a une tête de Rocky Bull pour bel championnat ça. Nous allons aller à l'échelle nationale avec actualité. On dit sélection haïtienne et masculine et qui t'a lui entré dans la bataille dans Ligue des Nations de la CONCACAF vendredi cap 8 septembre face à l'équipe Cuba. Et côté rassemblement lui-même l'est déjà fait, il y a un staff management là qui déjà sous place dans le pays République Dominicaine pour capable à l'accueillir et staff technique lui-même qui parcourt arrivé en dit c'est le samedi et mi staff management là lui-même l'est dans le pays République Dominicaine. Et puis n'a joué 8 septembre avec Cuba et puis nous voilà en déplacement la caille équipe Jamaïque là c'est pour aller pour 12 et septembre à appeler que nous pas recevoir match dans pays là c'est pour aller dans République Dominicaine nous pas payer $10,000 puisque à chaque fois nous jouer match Saint-Domingue nous obligé payer $10,000 américains comme frais. Donc Haïti lui-même dans un premier temps sélectionné qui c'est Gabriel Calderon te mettait en préliste des 25 joueurs de yo mais et gagner des joueurs qui capable répondre à l'appel là et tel que Jean-Kevin Duvenne qui c'est un nouveau joueur et cap évoluer dans l'équipe Nantes donc qui a à peine transféré dans Nantes qui c'est ancien joueur équipe Brest qui capable venir et puisque même s'il pas officiel mais et gain doute que et Jean-Kevin Duvenne li capable arriver dans rassemblement pour Grenadier. Entre-temps on fait un flash sur 25 moun et Calderon lui-même l'itérélé pour sélection donc on est Placide c'est officiel Placide a retourné et vient jouer pour nous donc Placide Alexandre Pierre Garrison Innocent lui-même c'est trois gardiens et puis comme défenseur Ricardo Adé Franz Acus Alex Christian Steven Séance Gavin Metoussala gagné Douclacroix Jean-Kevin Duverne François Delis Martin Expérience ces défenseurs ça aurait pu comme milieu de terrain et gagné Calfred Sinté Cap Jude Nanof Texas Denis Jean-Jacques Il y a des Doléus et Simon Sen GP comme milieu de terrain attaquant aussi Luis Dixon, Luma Roberto en plus monte estimé que et quitter lui dans goal que plan bien Nazon on dit Nazon qui a marqué en plus goal pour équipe lui et sur trois matchs et depuis là marqué goal pour CSK Sofia dans pays la Bulgarie bien Mondi Prunier qui a marqué goal tout pour équipe lui qui c'est Versailles dans pays la France Dekitienne Jairou Stéphane Jean depuis Schneider Borgelin c'est Mounsao Gabriel Calderon Pellegrini et Pellegrino pardon et Terrelé pour capable venir porter mes fautes avec sélection qui va jouer deux matchs dans cadre Ligue des Nations de la CONCACAF après que Ligue des Nations ça la plus en forme de qualification pour sélection capable garder si et yo capable jouer et bien Copa América qui va le faire dans les États-Unis dans année 2024 là puisque nous connaît gagner et plusieurs équipes dans zone CONCACAF là et qui capable à jouer au nombre de 6 pays mais capable à jouer et Copa América de référence et qui va le faire pour la première fois avec 16 équipes 4 groupes de 4
Donc et bon côté mesdames yo pas qu'on gien rien qui dit puisque nous connaît et sélection mesdames yo depuis après coupe du monde là pas gien sélectionneur Nicolas Delépine t'a pral démissionner et mesdames yo qui pral rentrer dans bataille c'est pral pour 21 septembre face à équipe Costa Rica dans Ligue des Nations féminines et cap compter également pour qualification Gold Cup qui pral fête dans mois février en 17 février pour dimanche 2024 dans le pays États-Unis. Donc jusqu'à présent équipe là et qui pas qu'on gagne un sélectionneur donc n'a prétend pour nous et comment ça va lier dans jeu qui va venir pour sélection haïtienne féminine. Donc nous t'a dû quitter actualité yo à l'échelle nationale pour aller à l'échelle internationale, mais on a observé un coup de pause. Entre temps, on salue et Richard, les mêmes qui est là avec nous. Donc, bon, c'est mon coup de garde du football, belle latérale gauche. Et puis, il y a une école de pour la vie, les mêmes qui sont avec tout, Olivier et Banks. On a un coup de pause, Jérôme, on a tout de suite. Merci un pile Jean-Oni nous retourner après pause là pour nous capable continuer avec émission. Nous allons pour Kounia à l'échelle internationale avec résultat qui était fait dans le pays l'Allemagne côté depuis en vendredi gagné Dortmund qui fait 2 goals partout avec Adenan. Dortmund qui a mené 2 goals à 0. Il a pral ouais équipe Adenan qui s'est promis égaliser avec eux dans deuxième période là. Et puis tu gagné et en samedi bah Leverkusen qui bat Darmstadt 5-1 donc c'est carton plein pour équipe bah Leverkusen là cap entraîné par ancien joueur équipe Real Madrid là qui c'est Xabi Alonso qui était passé tout dans Liverpool et était formé dans équipe Real Sociedad là après là dans Liverpool il gagné Ligue des Champions et snap songé en 2005 et contre équipe Milan Séan les ça Milan t'a mis 3-0 et sur Liverpool t'a pas égalisé et puis Liverpool t'a pas gagné dans séance des tirs au but en Ligue des Champions et côté finale t'a fait dans pays et la Turquie t'a gagné tout avec Real Madrid 2014 donc Desima oui Desima côté et milieu terrain c'était Khedira et Xabi Alonso t'a gagné tout joueur ça en parlant de Di Maria qui était là également dans l'équipe Real de Madrid ça. Et puis gagné Hoffenheim lui-même qui te bat Wolfsburg 3-1 Werder Bremen te bat Mainz de France 4-0 gagné Augsburg qui fait 2 goals partout avec Bochum Stuttgart bat Fribourg 5-0 gagné Bayern de Munich lui-même difficilement devait battre équipe Mönchengladbach là 2-1 pendant vous avez mené 1-0 sur équipe et Bayern Munich depuis 5 ans c'est pas jamais facile et pour Bayern à gagner sur terrain équipe Borussia Mönchengladbach là. Et puis et dans classement et c'est Bayer Leverkusen qui gagne 9 points Bayern Munich gagne 9 points en différence plus 8 pour Leverkusen et plus 7 pour équipe Bayern Munich là. 4e Stuttgart 6 points Leipzig et 4e Borussia avec 6 points Stuttgart 3e Leipzig 4e 6 points gagne Union Berlin avec 6 points et dans classement général dans pays l'Allemagne Union Berlin les mêmes qui dans même groupe avec équipe Real Madrid en Ligue des Champions. Classement et meilleur buteur c'est Cheikh et Girassi qui a Stuttgart qui a 5 goals Gien Berins Union Berlin 4 goals et puis Boniface qui a joué dans Bayer Leverkusen
qui gagne 4 goals dans le classement meilleur buteur dans la Bundesliga. En Italie, et pour qu'on y a été un match qui était joué en Italie, on dit depuis un vendredi, il y a Sassuolo qui bat et Las Verona 3 goals à 1. Mais là, c'est une belle victoire, 2 goals à 1 face à l'équipe AS Roma avec Olivier Giroud qui était au score sur penalty. Et puis, il y a un Portugais, Rafael Leao qui a fait but là. Mais en prolongation, il y a eu le score pour l'équipe et AS Roma. Donc, il y a une belle victoire. Et pour Milan, c'est qu'il m'a trouvé qui est très bon dans le match là. Donc, depuis 2 à 3 dernières années, je m'a gardé Milan. Donc, c'est premier fois sous Pioli et moi équipe là qui ont identité de jeu donc yo connaît et ça pour faire dans trois mouvements tactiques yo. Donc les balles trois mouvements tactiques et c'est là où gain ballon là pas gain ballon et là à peine équipe ballon donc moi Milan et met ça très bien donc yo gain fond dans jouet yo et parce que et Milan c'est son équipe et pour être capable suivre là dans série A et en Italie pour pas dire et dans Ligue des Champions puisque saison dernière il était fait demi-finale et compétition face à équipe Inter de Milan il fait un peu la château il prend Chukwueze qui sorti dans Villarreal il prend Loftus-Cheek qui sorti dans Chelsea et il prend et Wilders qui sont très bons milieu de terrain qui jouent comme 8 et pour équipe Milan c'est on cap dire le tout et sont très bons joueurs et néerlandais et qui a 25 ans cap jouer sous couleur équipe Milan AC yo prend Pulisic tout cap très bien joué pour Milan donc on trouve que effectivement Milan lui-même les riches et posture yo doublé pour équipe Milan AC donc Milan qui capable faire différence là saison ça dans et série A italienne et puis en samedi Bologne Tengvie bat Cagliari de goal à 1 Udinese fait match nul avec Fossino les 0 goals partout. Atalanta bat Monza 3 goals à 0. Et puis Napoli tapal tombé face à l'équipe Lazio de Rome 2 goals à 1. Inter de Milan pulvérisé Fiorentina 4 goals à 0. Gien Lautaro qui marque un doublé et pour l'équipe Inter de Milan. Torino rivé gagner Genoa 1 goal à 0. Juventus bat équipe Empoli en 0-2. Gien Lecce qui bat Salernitana 2 goals à 0 dans match qui était joué. Et pour week-end ça en Italie. Classement Inter de Milan gagne 9 points pour 3 matchs joués. Milan c'est gagne 9 points également pour 3 matchs joués. Une différence plus 8 pour Milan et plus 6 pour équipe. On dit plus 8 pour Inter de Milan et plus 6 pour équipe Milan AC. Juventus 3e 7 points et Lecce est 4e 7 points. Différence plus 5 pour Juventus et puis plus 3 pour équipe Lecce. Il y a Atalanta qui gagne 6 points de différence en 5e position. Non et classement général dans le pays l'Italie et puis classement meilleur buteur Lautaro gagne 5 goals qu'a joué dans Inter de Milan Giroud gagne 4 goals Milan AC et puis Victor Osimhen saison dernière qui définit comme meilleur buteur dans championnat ça il a gagné 3 goals dans 3 matchs qu'il joue pour équipe qui relait Napoli pour Kounia on fait coup de pied et dans le pays l'Espagne puisque et il y a un match qui était joué dans le cadre de la troisième journée dans le pays on dit c'est quatrième journée dans le pays et l'Espagne gain Cadiz lui-même qui était bat Villarreal 3 goals à 1 depuis un vendredi Almeria tombé 2-3 face à l'équipe et qui est le Celta Vigo et puis un samedi gagné Real de Madrid qui était bat Getafe 2 goals à 1 Sociedad qui bat Granada et 5 goals à 3 et puis à 10h Real de Madrid qui bat équipe Getafe en 2 goals à 1 et côté Getafe t'a pas ouvert score après Radi une mauvaise remise de Fon Garcia et puis un mauvais contrôle tout de David Alaba qui pas arrivé contrôler ballon et puis Boama Oral qui c'est ancien joueur Real Madrid formé dans Real Madrid même t'a pas dribblé et Portien qui c'est qui pas et t'a pas inscrit goal pour équipe Getafe premier temps t'est fini du goal partout entre Real Madrid avec Getafe et puis par la suite avec des changements en service t'a pas fait et surtout rentrer Toni Kroos là et bien ça va permettre que Real Madrid joue une égalisation et même battre équipe et j'étais fier donc parce que Kroos les montrer que Ancelotti il pas prêt pour le mettre sous banc et puisque depuis les Kroos rivéant
où Real gagne plus verticalité dans jouet li, gagne plus espace et Real fait transition attaque et pardon défense attaque là plus rapide. Les Toni Kroos les mêmes les souterrains et pour Real de Madrid donc c'est que et dans prochain match en attendre est-ce que Ancelotti il va mettre au monde pour Toni Kroos sous banc et puisque et transition les mêmes les défaites mais elle les défaites en douceur dans Real de Madrid puisque avant ça gagne un jeune joueur qui pas trop bien entré dans moule dans 4-4 de Los Angeles puisque Tchouaméni c'est pas comme ça même si la baillon meilleur visage par rapport à Salté gagné après Coupe du monde là gagné et joueur qui c'est Camavinga qui pas un joueur qui aime jouer en profondeur c'est parce que latéralement aime jouer avec tout et Modric qui était la même Modric les mêmes qui commençait blessé donc avant ça puisque l'agent lui-même l'a avancé sous Luka Modric mais et samedi en rentré Toni Kroos là il est très bon pour Real de Madrid qui bat Getafe de goal à 1 et joueur qui était égalisé pour Real c'est Oselu et puis dans fin match là Jude Bellingham pour une cinquième fois qui a pas marqué pour Real de Madrid pour offrir victoire avec Madrid dans le premier match qui est joué dans Santiago Bernabéu pour saison ça. Jude Bellingham qui vient deuxième joueur après Ronaldo qui marqué dans 4 matchs consécutifs dans la Liga et pour et de bio donc et Bellingham lui-même qui vraiment non au niveau excellent pour équipe Real de Madrid. On en a avec mon qui était joué et pour Real quand cette équipe a à gauche Fon Garcia, à droite Dani Carvajal, en défense Rudiger, David Alaba, dans l'axe comme sentinelle devant défense c'est Ouné Tchouaméni, relayeur gauche au cap 18 tout Camavinga, relayeur droit Luka Modric et puis comme meneur de jeu ou du moins milieu offensif centre de Jude Bellingham devant comme les attaquants yo, c'était Rossello avec Rodrigo. Pour Getafe, tu joues un système de 4-4-2 à plat. Donc, il a joué 4-4-2 Los Angeles. Et puis, Getafe joue un 4-4-2 à plat. Dans le camp, c'est David Soria. À gauche, Alvarez. À droite, Damien Suarez. En défense, Mitrovic avec Duarte. Dans l'axe, c'est Alderete avec Djéné. Et milieu et offensif droit, c'est Maximovic. L'offensif gauche, c'est Alenia. Et puis, Maïwara avec tout. Latassa, et comme deux attaquants. Pour équipe qui potait non Getafe qui tombait face à équipe Real Madrid là gagné et Alaves qui bat Valence 1-0 gagné Betis qui bat Vallecano 1-0 et puis en dimanche hier Girona li bat Las Palmas 1-0 Maroc a fait match nul 0-0 avec Athletic Bilbao Atlético de Madrid avec Séville Massa li même li pas joué et puis Osasuna li tombé 1-0 et face à équipe Barcelone donc James Romet est loué donc on dit pour Barcelone et c'était Jules Koundé qui a eu score et dans 45e minute de jeu d'après égaliser avec Barcelone et puis dans fin match là Robert Lewandowski d'après jouer un avantage là pour Barcelone qui bat des goals à 1 Barcelone bon maintenant que est-ce que c'est parce que saison à peine démarré mais moi pas qu'on retrouve dans jeu de Barcelone non puisque monsieur yo pas qu'on très convaincant et même si Barcelone mangeait partie et match là bien contre le ballon mais en pile fois yo pas créé des occasions et occasion créé autour ben Lewandowski et pour le moment qui pas clinique pour équipe Barcelone non c'est pas même Lewandowski qui a gagné et saison dernière là cap jeu pour Kounia et pour équipe Barcelone même trouver li encore tôt et pour capable faire une conclusion sous jouette et Barcelone a proposé et pour le moment donc nous trouver que équipe Barcelone capable faire mieux monde qui déjà pour Barcelone Ter Stegen à gauche Balde à droite et Sergio Roberto en défense Christensen avec Jules Koundé dans l'axe Oriol Romeu comme milieu récupérateur et relayeur gauche c'était Gundogan relayeur droite De Jong et les gauche Lamine Yamal Gavi comme ailier droit et puis devant c'était Robert Lewandowski pour équipe Barcelone et hier et qui bat équipe et Osasuna du goal à 1 dans et classement général Real Madrid gagne 12 points pour 4 matchs qui ont joué Girona 10 points Barcelone 10 points Atletico lui-même en 4e position avec 7 points après que et Atletico a un match en moins puisque et rencontre contre Séville n'est pas arrivé jouer puisque tu gagne et la pluie qui t'a tombé et à
à Séville, donc match lui-même lui reporté, il est capable à jouer juste 31 décembre. Donc on a attendre pour nous connaître qu'il est et a vraiment programmé et match Barcelone avec équipe match Atlético avec équipe qui est et FC Séville et puis nous connaissons le classement buteur c'était Jude Bellingham lui-même qui gagne 5 goals dans le classement meilleur buteur dans le pays l'Espagne. Donc nous avons une pause, nous avons un coup de pause publicitaire et puis nous avons retourné tout de suite avec les résultats qui étaient faits dans le championnat européen. Zanmim, depuis que gros l'appli commence à tomber, ou soit beaucoup l'appli a tombé pendant longtemps, veillez au tête de l'eau dans la rivière, dans la ravine avec des vents partout pour inondation pas si près nous. Assurez-vous tout papier avec documents importants, yon côté de l'eau pas mouillé yo, ou sinon potez yo aller. Mettez sous la main matériel premier soin avec médicaments ou a besoin. Puis gagne aller dans jardin. Pas jamais jambé de l'eau qui descend, ni à pied, ni sous bête, ni dans machine, ni sous moto. Marie bête ou précaillou, dans zone de l'eau pas prend yo, comme ça, ou pas besoin aller loin, les autorités ont demandé ou la caillou. Full machine ou à gaz, si zone côté ou rete a menacé, comme ça, ou ap gen réserve pour 6 oka. Si ou rete dans une zone danger, tant qu'on a flamon. Bon la rivière, bon la mer, nan ravine et la trier, déplacer depuis autorité ou mandou déplacer. Ou sinon, si vous sentez sécurité ou menacé, allez yon côté qui assuré ou soit dans local qui prévoit comme abri provisoire. Lè n'ap déplacé, songe grandet yo, moun handicapé yo, femme enceinte yo ak ti moun yo. An fè solidarité yon ak lòt. C'était un message. Direction Protection Civile. Qui s'est déjà taillé une réputation dans le domaine de l'éducation dans le département du Nord-Ouest, ouvre un nouveau registre d'inscription pour la nouvelle année académique. Cette année, le CMSL fonctionne en double vacation, matin et soir. Élève matin a mis uniforme l'école là, alors que élève après-midi a mis maillot et jeans. Chaque élève a payé un frais divers de 3000 gouttes seulement pour qu'il a prêté tout livre qui a servi pour aller à l'école là. Et puis, il a bien chance d'apprendre un métier manuel, j'en ça toujours fait. Parce que dans l'Ibento Silver, en face d'Alpapetri, pour qu'il inscrit petit tout, pour comprendre que j'ai un pays à difficile, c'est ça que fait l'école là, toujours pas cher. Pour contact avec information, relayons-nous. 43 53 53 85 Collège Stéphane Lomista, l'avenir et l'éducation assurée. Ma très grande paresse appelle bien des critiques. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM Sport à la Une. À la Une. Chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Debat. Toutes les dernières informations sportives, locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire. C'est notre affaire.
Merci Jérôme, nous retournons à propos là pour nous capables de continuer avec l'actualité à l'échelle internationale. Nous parlons pour Kounia dans le pays de l'Angleterre avec le résultat qui était fait. On dit depuis avant les Gameton Town qui tombait de 1 face à l'équipe West Ham. Bien en samedi, Sheffield United lui-même a fait match avec Everton et 2 goals partout. Bien Brentford également qui fait 2 goals partout avec Bournemouth. Puis Tottenham les pulvérisés qui peuvent bien 5 goals à 2 en déplacement. Chelsea tombé là à 0-1 face à l'équipe Nottingham Forest. Donc, bah, on est, ça a passé l'équipe Chelsea puisque Chelsea était pour un peu le monde et sous 2 derniers cartes. Mais jusqu'à présent, Chelsea lui-même n'est pas capable de décoller malgré venir un entraîneur tel que et comme Mauricio Pochettino dans le club londonien. Donc, nous avons prétendu comment la saison va finir pour l'équipe Chelsea. Hein? Donc, depuis le départ, Roman Abramovich qui va marcher très bien pour le club de Londres. Bien City qui bat Fulham 5 goals à 1. Alan lui-même a fait un triplé dans le match à ça. Et puis, bien Brighton lui-même qui bat Newcastle 3 goals à 1. Il y a un jeune Irlandais qui a 18 ans qui c'est Evans et Ferguson qui a marqué 3 goals pour l'équipe Brighton. Donc Brighton avec un beau football, un jeu de position maîtrisé très bien avec les Zerbi, les mêmes qui sont italiens, en certaine équipe ça se loin. Donc Brighton cap joué et un bon football dans le pays et l'Angleterre. Donc on dit ça avec plusieurs monde et les Guardiola qui était City, mais c'est que les dirigeants et Citizen Doe a doué pour les Zerbi puisque son joueur qui n'a philosophie que là avec Thomas Michel qui c'est et jeu de position. Et hier, il y a tout fait l'équipe et Newcastle en battu 3 goals à 1. Son équipe l'a pas attaqué, mais la rapide il perd du ballon, rapide tout, ni tout défend et ni tout prend ballon dans le pion. Donc, moi, c'est que c'est à féliciter pour l'équipe Brighton hier qui bat Newcastle 3 goals à 1. Avec Newcastle dans 4 matchs qu'il joue, c'est 3 défaites et une victoire pour Newcastle. Premier match là, il te bat à son but à 5 goals à 1. Et deuxième match là, il tombe face à City 1 goal à 0. Et puis, troisième match là, équipe Liverpool te bat la Caillou et 2 goals à 1. Malgré Liverpool a joué en moins depuis dans 35 minutes de jeu puisque Van Dijk était en carton rouge, mais avec Monté, un joueur Tanko Darwin Núñez, c'est dans le match en doublé pour Liverpool pour battre Newcastle. Et puis ils ont perdu et week-end encore face à l'équipe Brighton. Et puis hier, gagné Crystal Palace qui bat 3-2 pour la 2. Liverpool bat Aston Villa 3-0. Et puis Arsenal li bat United 3 goals à 1. Côté United qui est au risque avec Marcus Rashford. Il va gagner un égal qui va égaliser. Et puis Rice lui-même qui est venu l'équipe Arsenal là, pour plus que 117 millions d'euros. T'as pas fait goler à 1 pour Arsenal. Mais et gagné sous dans fin match là qui t'a pas la fait break là pour Arsenal pour battre et United 3 goals à 1 dans et Fly Emirates Stadium. Dans et classement général là, City gagne 12 points et en deuxième position Tottenham 10 points, Liverpool 10 points, gagné et West Ham qui gagne 10 points et puis Arsenal gagne 10 points en 5e position, Brighton gagne 9 points les mêmes en 6e position. Dans le classement meilleur buteur, c'est Alan qui a 6 goals, Ivan Ferguson Brighton gagne 4, Brian Mbeumo qui a vu une équipe Brighton lui-même qui gagne 4 goals dans le classement meilleur buteur dans le pays l'Angleterre. Donc on salue et confère nous et Johnson Fenelis lui-même qui fait une part écoute les. Donc pour nous, nous pouvons aller dans la Ligue 1 pour nous capable de clôturer et tout de ça. Et on dit depuis un vendredi, il y a Nantes qui fait match nul avec Marseille, un goal partout. Et Stade Brest a fait match nul 0-0 avec Stade Rennais. Monaco bat Lens 3-0. Et puis un dimanche, gagné Le Havre qui fait match nul 2 goals partout avec Montpellier. Strasbourg bat Toulouse 2-0. Clermont perdu 0-1 devant l'équipe Metzlan. Montpellier tombé la qualité 1-3 face à Stade Reims. Lorient bat Lille 4-1. Et puis, il
gagné et Nice les mêmes et les références bon vérifier ça et pour amis Nice bas Strasbourg 2-0 et puis Paris Saint-Germain les pulvériser Olympique Lyonnais Lacaille 4-1 avec un doublé de Kylian Mbappé en pile monde pour Kounia a fait loge jouette qu'a proposé et par Saint-Germain avec Luis Enrique même moi c'est que c'est encore tôt donc en retard et qui ça doit passer pour l'équipe par Saint-Germain puisque et, à chaque saison c'est toujours comme ça et chaque fois saison a commencé donc on toujours par Saint-Germain belle mais il est arrivé dans un moment qui est important l'équipe a lui-même est toujours coulé mais et bah il mérite Enrique gagné pour capable faire une bonne équipe et surtout les bons avantage puisque l'Elte dans l'Espagne, l'Espagne a joué bien, mais ça n'a pas fait gol. Et mais pour nous, on a pas un joueur qui a marqué gol pour lui, tant que Kylian Mbappé, surtout pour Andal Colomani, pour faire un bon mécato avec Andal Colomani, qui finit Dembélé, Guimane Bougaté, Gouéen, Lucas Hernandez, Skriniar, Asensio, donc gagné Portugais en tout, et nous allons à Mos, tout le monde s'est venu jouer, et une équipe Paris Saint-Germain, donc c'est que Paris qui a pratiqué un bon football. Et en return, ça qui va le passer par la suite dans fin saison pour l'équipe Paris Saint-Germain. Dans le classement et classement général, équipe qui est Monaco a gagné 10 points et Paris Saint-Germain a gagné 8, Olympique Marseille a gagné 8, Stade Reims a gagné 7, Lille a gagné 7, Stade Brissois a gagné 7 points dans le classement général dans le pays la France. Classement meilleur buteur. Il y a Kylian Mbappé qui a 5 goals, il y a Mohamed 4, Ben Yedder qui a 4 goals dans le classement meilleur buteur dans le pays. La France, pour qu'on y a un petit championnat, nous pouvons aller en transfert. Il y a Ramos lui-même qui retourne et une équipe Séville après 18 ans qu'elle était quitté le club Séville en 2005. Et Ramos était quitté Séville pour la jouer et dans Real Madrid, il passait 16 ans dans Real, c'est dans la saison 2021 qu'elle était quitté Real Madrid pour aller dans l'équipe Paris Saint-Germain. Donc Ramos qui fait retour dans le club andalou, rappelez que Ramos qui refusait des off, donc Galatasaray a proposé 11 millions d'euros, gagné également équipe à Itiyad dans le pays Arabie Saoudite qui était proposé 20 millions d'euros par an avec Ramos, mais Ramos a préféré signer dans Séville qui va le payer à peu près 1 million d'euros par an, donc son sacrifice énorme. Ramos fait pour le papa et vient jouer dans l'équipe Séville, rappelez que et dans les gars Séville pas pour faire aucune victoire pendant et saison li commencé là. Donc Ramos c'est que c'est capable d'une meilleure, c'est pas c'est capable, donc c'est évident, donc son certitude et Sergio Ramos c'est une meilleure défenseur qui passait dans le football, je me suis bien dans le football là pendant les 20 dernières années. Ramos qui nous parle Marès qui chargé en sélection qu'en club, donc il prend 5 ligas avec Real Madrid et 2007-2008 et 2012-2017-2020, il prend 4 ligues des champions 2014-2016-2017-2018. Donc Ramos est en sélection, il prend Euro 2008 et Coupe du Monde 2010 et Ligue Euro 2012 là. Donc son joueur qui réussit et dans pas dit valeur intrinsèque et son très bon défenseur qui est buteur tout et Ramos avec Ronald Koeman et c'est seulement deux défenseurs qui vivent marquer plus que 10 goals et sous une saison dans la Ligue espagnole là et son joueur qui marquait plus que 100 goals et pour l'équipe de Madrid là qui est très bon souffrant et qui sont bons tirés pénalty et donc Ramos tout ça aussi c'est joue Ramos lui-même qui est retourné l'équipe civile après que il a commencé comme latéral droit mais avec Mourinho d'avoir converti comme défenseur central et une équipe Real Madrid là il a joué tout et pour sa carrière et comme défenseur et dans tout le club qu'il passait. Donc en plus fois bon petit Alain Louis ça un peu le monde d'aller qui dit piqué du même les pieds techniques et qui Ramos. Donc c'est vrai, c'est une définie technique là et c'est en ici rapport j'ai bien ballon donc pour faire salve avec ballon mais c'est un peu le sens qui pilage
Donc si on vient avec caractéristiques techniques, et gain centre, et gain tête, gain finition, et gain marquage, gain et contrôle de balle, réception de balle, et gain et corner, tout ça. Donc je crois que Piqué des petits bagages qui amorce, c'est vrai. Et Piqué lui-même, le cas sorti plus bien avec ballon qui amorce, et il y a une qualité passe qui est plus sûre par rapport à Camos, mais il n'y a pas de passe lancé par scout. Mais Zaferi lance passe en diagonale, je crois que Piqué gagne ça yo et qui s'est joué à Mos. Donc si Piqué gagne en diagonale contre le ballon, je vais vous donner ça. Et qui annonce les guignets et passe couteau, mais si nous prenons ça et nous prenons jeu de tête et si nous prenons finition pour un défenseur qui marque plus que 100 goals et pour club li seulement et dans Liga lui-même qui pendant nous sommes qui marque plus que 10 goals et qui bon sous couffrant qui sont bon tirer penalty et qui s'entraîne bien donc bah après que Piqué lui-même les capis techniques et qui ont joué et parce qu'en plus fois il n'y a pas de technique et nous avons pris seulement le dribble. Et ce n'est pas vrai, le dribble c'est une caractéristique et dans la technique, mais le dribble pas seulement et technique. J'aime dire là, il y a un peu de caractéristique technique dans le contrôle des balles. Et finition par exemple, comme on va dire ça tout. Il y a un qui dit à l'homme pas technique même. Ce n'est pas vrai. Finition, son technique, les techniques de finition. Ce n'est pas tout joueur qui a fini l'action, j'allais en finir. Donc, moi, c'est que, et un peu de fois, on n'a pas de technique, il résume avec dribble seulement, mais il y a aller plus loin que ça. L'autre côté, avec Nouvelle-Lyo, on dit gagner Suarez avec tout, en tout temps, regardez Léa, Suarez avec tout, et Cavani, qui va convoquer par Marcelo Bielsa, nous connaissons, qui c'est et nouveau sélectionneur équipe qui est l'Iguélan donc Marcelo Bielsa est assemblé venir avec une nouvelle génération et dans l'équipe l'Iguélan donc qui parlait avec Suarez donc Suarez qui s'est mis à buteur histoire et sélection Iguélan avec 68 goals et Cavani qui s'est deuxième meilleur buteur histoire équipe là avec 58 goals et deux joueurs sérieux et passé des zones nationales n'était pas de sélection qui va le jouer et vendredi face à l'équipe Cuba. À l'échelle internationale, on était côté pour résultat qui était fait dans le championnat européen, dans le plus beau championnat. On était pas de Ramos avec tout Cavani Suarez qui part dans la sélection pour l'Uruguay. Merci tout le monde, c'était un plaisir. Même pour c'est Patrick Laville qui était accompagné avec Jean Bestin. Nous voyons tout le monde, rendez-vous demain pour une prochaine édition du Sport Calais 21. L'évangélisation, l'éducation, la société.